Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Malheureusement pour nous ». J'aimerais que tu arrêtes de bloquer la porte, s'il te plaît. Je bloquerai cette porte tant qu'il me plaira. C'est ridicule, Jean-Guy. À qui le dis-tu? C'est toi qui m'as laissé. Essaye pas de m'intimider. Si tu veux que je reste, dis-le. Je vais rester. Je vais défaire mes valises. OK, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Puis là, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Je bloque la porte. Tu peux pas sortir, puis tu peux pas rentrer. Arrange-toi avec ça. Quand même, je voudrais rentrer, je suis déjà dedans. Ouais, mais tu sais... T'as-tu déjà vu quelque chose rentrer qui était déjà dedans? Non. Non, non, pas... essaye-toi pas. Non, 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 non. Parle-moi pas là-dessus. Parle-moi pas là-dessus, là. Pire dimanche de ma vie. OK, je m'attasse. Trop tard! Pas pensé que je t'ai pas laissé de chance. Pas pensé que je te donne pas de lousse. Tu voulais plus de liberté que tu n'as eu. Jean-Guy, tu m'as dit, ça suffit, on se laisse, tu me fais mal, va-t'en. Là, ça fait 3 heures de tout ça. J'essaye de partir, mais tu bloques la porte, puis on n'en a rien qu'une. Pourquoi? Parce que monsieur, il a la phobie des portes patio. Fait que là, là, laisse-moi sortir! Touche encore mes épaules. Touche encore mes épaules. Tu sais, t'es rough, là. C'est ça qui arrive avec toi, tu sais. Je te donne 6 pouces, tu prends 4 pieds. Ça dépend quand. Jean-Guy, moi, je vais faire ce que tu veux. Je vais être ta Édith Piaf ou ton Jerry Boulet, là, ça dépend à quelle époque tu as écouté la toune. Je vais me faire teindre en blonde. Je vais aller au bout du monde. Mais il faut que tu me le demandes. Tu comprends? C'est ça qu'a dit la toune. La toune a dit « Décide-toi, calice ». C'est ça qu'a dit la toune. Tu comprends-tu? Elle était pas niaiseuse, Édith Piaf. Non. Mais pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il décide? Si je décide que c'est toi qui décide, qu'est-ce que tu décides? OK. Là, un matin, je suis arrivée. Ouais? J'ai dit, je t'ai fait un beau déjeuner, du pain doré. Tu me dis, ça suffit, faut plus que ça continue comme ça, va-t'en. Fait que là, moi, là, je suis un peu dépassée par les événements, tu comprends? Je voulais dire, je veux du sirop. Je voulais juste dire, je veux du sirop, puis ça a sorti. C'est juste une erreur. Puis là, ça fait 3 heures qu'on patauge là-dedans. Mais oui, mon pain doré, il est plus bon, là. Puis je bloque plus la porte. Qu'est-ce que tu décides? Pour une fois, toi, décide. Je veux qu'on se fasse poser une porte patio. Tu peux pas me demander ça! Si tu m'aimes, tu vas faire poser une porte patio. Une terrasse, une piste en hors-terre, un carré de sable, n'importe quoi! Ça sert à rien, on passe pas à travers des murs de briques. À quoi ça va te servir une terrasse, t'as pas de porte? Une battante, une porte battante. Une coulissante des Françaises. N'importe quoi, pas patio, pas une porte patio. C'est l'aide des portes patio. OK, j'ai compris ton message. Non, non!